Je m'appelle Maxime O'Shaughnessy, je suis le président et un des fondateurs de Zilmonteur. Zilmonteur, c'est une compagnie qui fabrique, qui conçoit, qui distribue des véhicules tout-terrain dédiés au secteur de l'industriel et au secteur de la défense. On a décidé de s'installer à Cowansville parce que, un, on cherchait un grand terrain. On avait besoin de bâtir un centre d'expérience et un centre de test pour nos véhicules. On avait besoin d'une proximité avec notre réseau de fournisseurs, donc tout ce qui est Rive-Sud, Montréal, Rive-Nord. Et on a besoin d'être proche de nos clients qui sont la moitié au Canada, la moitié aux États-Unis. Et on a besoin d'un endroit où on pouvait retrouver de la main-d'œuvre qui était qualifiée. Donc, Cowansville répondait à tous ces critères. Et on a trouvé à l'aide de la ville de Cowansville une administration qui était prête à embarquer dans notre projet, qui était prête à nous aider, à nous supporter. Une des particularités du parc industriel, c'est la proximité des services commerciaux. On peut marcher, on est à côté de l'artère principale. On peut aller dans toutes les grandes surfaces, les services de restauration. Fait que ça amène un très grand avantage, puis c'est une rareté de trouver un grand terrain industriel près d'un artère commercial. Maintenant, on a trois lignes d'assemblage, donc on est capable de lancer la production de nos 7 modèles différents sur 3 plateformes, donc 3 lignes d'assemblage. On est capable de monter notre capacité. Ça, c'est très excitant pour nous parce que c'est ZIL 2.0. Donc, la prochaine phase, c'est l'augmentation des ventes. On a une piste d'essai, on peut inviter nos clients potentiels, on peut faire nos tests de façon très, très fonctionnelle, très rapide. Donc, on est bien installé, la structure est solide, la fondation de la compagnie est solide, on est prêt à aller de l'avant.